Couronnement de Charles III. Cet invité inattendu qui devrait attirer tous les regards. Alors qu'elle a été accusée de racisme, Lady Susan Essay, ancienne dame d'honneur de la reine Elisabeth II et marraine du prince William, fera partie des invités au couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster le 6 mai 2023. Lady Susan Essay, 83 ans, était l'une des confidentes de la défunte reine Elisabeth II pendant plus de 60 ans. Lors d'une réception organisée par Camilla au palais de Buckingham le 29 novembre dernier en l'honneur de la conférence sur les violences faites aux femmes, la baronne des Essay a usé de propos racistes à l'encontre de Ngozi Fulani. Alors que la directrice de l'association contre les violences domestiques, Sista Space, participait à l'événement, Lady Susan lui aurait demandé à de multiples reprises, et ce, de manière insistante, « De quelle partie de l'Afrique êtes-vous ?» Point. Avait expliqué la militante sur son compte Twitter. Une question à laquelle Ngozi Fulani avait donné la réponse suivante. « Je suis née ici et je suis britannique. » Pour tenter de calmer la polémique, Buckingham avait d'abord évoqué la démission, mais aussi les excuses de Lady Susan à son interlocutrice. Dans un communiqué publié le 16 décembre dernier, le palais déclarait. Lady Susan présente ses sincères excuses pour les commentaires et le désarroi causés à Madame Fulani, avant de poursuivre. Madame Fulani, qui a reçu injustement un torrent de critiques sur les réseaux sociaux, a accepté ses excuses et comprend qu'il et Y avaient aucune intention malveillante. Un communiqué commenté par l'activiste toujours sur son compte Twitter, « Ensemble, nous sommes plus forts, la haine ne gagnera jamais. » Des soutiens dans les couloirs de Buckingham. Selon le journal anglais Le Mirror, une source a déclaré que la marraine du prince William avait reçu des soutiens de la part de ses amis. Certains ont même suggéré que Lady Susan devrait être la bienvenue au couronnement. Ils ont souligné ses nombreuses années de service rendues à la reine. Environ 2000 personnes sont attendues à l'abbaye de Westminster à Londres le 6 mai prochain. L'événement sera également retransmis sur les plus grandes chaînes de télévision. Alors que Meghan Markle et le prince Harry avaient dénoncé des faits de racisme dans leur documentaire actuellement en diffusion sur Netflix, cette invitation fait ressurgir les tensions et atténue les efforts fournis par Charles III en faveur de la diversité au sein de la sphère royale.